Salut à tous, salut à toutes, c'est DR46 pour la suite du Let's Play sur Endless Legend Guardians. Là, une petite vue de la capitale Erad, qui est en train de tenter de construire actuellement des colons. Et voici notre deuxième ville, Dels, qui est à 4, qui se développe gentiment avec l'armée qui est là, et puis 2-3 factions mineures qui se baladent alentour. Donc j'ai vu les remarques de Marquis de Siorak, notamment par rapport au combat. Oui, alors j'ai peut-être eu du bol, mais j'ai quand même fait pas mal de tests à gauche à droite, et quand on a l'avantage et qu'on est bien stuffé, moi je remporte systématiquement sans perdre personne chaque combat. Alors j'ai aussi fait des combats en manuel, on en montrera quelques-uns, mais si la victoire semble évidente, très sincèrement je vois pas encore vraiment l'intérêt de faire le combat en manuel. C'est clair que si on semble perdre la partie, ça vaut probablement la peine. J'ai aussi appris, en regardant un tout petit peu plus le jeu, moi je croyais que quand on améliorait les technologies pour stuffer notre héros, eh ben on pouvait pas stuffer nos unités. Bah, bien sûr que oui, on peut les stuffer. Là, on a des armes de palier 1 qu'on pourra remplacer gentiment en fonction de... En fait, on fait modifier, on peut même le faire maintenant, j'ai déjà des armes de palier 2. Par exemple, là, il y a une arbalète en fer parce qu'il a un bouclier, on pourrait l'équiper d'un arc. Donc on va prendre une arbalète de palier 2 qui fait plus 18 en dégâts contre plus 9. Donc ça double les dégâts, hop. Vous voyez que ça augmente le coût de production de l'unité immédiatement, par contre, ça c'est évident. Voilà, par arme, c'est plus évident comme ceci. Là, on a les boucliers. On a un bouclier de palier 2 qu'on va équiper. Un peu plus de production. Un casque, on peut leur en mettre. Ils n'en avaient pas. Ça passe à 138. Et puis, des jambières. Pourquoi pas. Là, on a encore possibilité de mettre un talisman en fer. Là, c'est pour déplacement amélioré 2. Et ça, c'est pour vision améliorée et sens aiguisé. Donc, on va le faire se déplacer plus vite. Donc, on est quasiment à 200 points de production contre 120. Hein. Donc, on va appliquer ça. Et puis ensuite, on pourra faire ça pour chacun des différents personnages. C'est-à-dire, on modifie, on va le faire maintenant. Je l'ai fait sur une autre partie. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais comme ça, on voit ensemble ce que ça donne. Puis, vous pourrez me conseiller si je fais une grosse bêtise. Mais là, on a un bâton de combat en fer excellent, palier 2. Et c'est une baguette de sorcier en fer. Donne des avantages. Donc coût 36 et coût 36. C'est la même chose. Contre 12, 6, 4 et 12, 8, 8. 12, 12, 5, 8. Donc il y a l'initiative en plus avec ça. Baguette moins 2 mètres. Là, ça me coûtera en plus du titane. Ah non, ça c'est pardon, pour pas lien. Ça me coûtera de la production et là uniquement de la production. Écoutez, on va tenter la baguette. Voilà. La bouclier, bon, il en a pas. Ça, c'est une jambière. Est-ce que je lui en mets? D'ailleurs, est-ce que ça le fait se déplacer? Mince. Non. Si je mets ça, attaque, initiative, la vie, la vitesse, la défense. Ouais, ça donne un bon en défense. Bon, bah, c'est uniquement le, entre guillemets, le prix. Et puis, on va lui mettre, on va leur mettre à tous un collier pour se déplacer plus vite. Le colon. Non, on va pas le stuffer. Là, si je modifie l'harmonite, on voit que pour les armes, il y a des griffes de palier 2. Voilà. Tiens, on peut lui mettre une armure, tiens. Bon, ça va me coûter vraiment cher, tout ça, après la longue. Hein. Si je dois moderniser, on va pas tout stuffer full. Hein. Je connais pas encore trop bien le système et je me connais, je vais faire des bêtises. Et puis là, on a l'armée, et maintenant, on peut la moderniser, mais avec tout ce qu'on a mis en plus, ça va coûter 325 brumes, maintenant. Voilà, dans la liste des unités, pour restuffer les chasseurs, on le fera plus tard, parce que de toute manière, on n'a pas le moyen. Donc vite, on va se passer ça en revue. Pour les factions mineures assimilées, là, j'ai les Harmonites. On pourrait prendre les Goran, mais du coup, je devrais remplacer, parce qu'il me faut un emplacement en plus pour accueillir une autre faction à assimiler. Ça, c'est dans la recherche. Qui c'est les ghettos, comment ils s'appellent? C'était les ghettos ethniques, voilà. Et ça, je crois que c'est, voilà, ghetto ethnique, on va le mettre, c'est utile. Ça, j'en suis rendu compte aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau de notre empire? Bon, le taux d'approbation, etc., nos stratégies globales, nos ressources stratégiques, on n'a pas de ressources de luxe. On va pouvoir en avoir parce qu'il y a, je crois, non, c'est où? J'ai vu un gisement d'or. Et pour bénéficier du gisement d'or, c'est une recherche qu'on doit avoir.
Je sais plus quel est le petit symbole. Gisement d'or, gisement d'or. Est-ce que c'est une recherche qui est... Normalement, c'est la mine. Fonderie, amélioration. Ça, je l'ai déjà. C'est tout ce qui est en bleu. Extracteur de verre d'acier. Ouais. C'est pas ça. Ah, c'est quelque chose qui est par là. Bref, on va le trouver. Gentiment. Et puis ça, ça permettra d'avoir des ressources de luxe et puis de débloquer des bonus. Ensuite, bon, pour la recherche, ça suit son cours. Les quêtes, bah, on doit toujours réunir... Attendez voir, c'était un foyer solide. Vous avez au moins appris une chose, Aurélia, cette quête est en cours. Tac, 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 description. Voilà, c'est la fouiller les ruines du temple avec une armée dirigée par un héros indompté et composée d'au moins 2 unités à distance et 4 unités de faction mineure. Donc, il faudrait que je réunisse 4 unités de faction mineure et bah, il faut les construire. Hein. Là, on a pas mal de choses à faire. Ok, les armées, les relations diplomatiques. Je connais encore personne. Et puis là, le marché, bah, j'ai pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit. Voilà, on a refait le petit tour. Je ferai pas ça à chaque fois, hein. C'est juste que je suis aussi un peu en train d'apprendre le jeu. Ok, ça se déplace autour de chez nous. Je pourrais les attaquer, ces Minotaurs. Ok. Vous voyez, là, moi, franchement, normalement, ici, je devrais me faire buter personne. Je vais continuer à faire de l'auto. Voilà, je perds pas de vie, rien, donc je vois... Même si c'est sympa de faire 2-3 combats comme ça, je vois pas l'intérêt de le faire systématiquement. De loin pas. Et d'ailleurs, s'il y a une option automatique, je pense que c'est pas pour rien. Un hôtel de la monnaie qui est terminé à Dels. Ok, de la brume en plus, on est à plus 29. Il y a l'extension qui est en train de se construire. J'ai mon colon dans 2 tours, bientôt plus que dans 1. Ok, bâtiment légendaire construit. Merde, je me fais choper tous les bâtiments légendaires. Je suis vraiment pas au taquet avec ça. Je sais pas si c'est très très important, évidemment, ça fournit un bonus. Bon, on me rembourse tout ça. Aïe aïe aïe. C'est un peu comme les merveilles, moi, dans Civilization, j'aime bien en faire plein, mais là, j'arrive pas du tout. Ok, le colon est fait. Et la population est passée à 5 à Dels. Bon, niveau fric, je crois que ça va à peu près. La production, c'est à peu près correct. Dans 14 tours pour la nourriture. Ouais, je crois qu'il est même allé dedans. Et puis on va laisser. Ouais, on va laisser ça comme ça. Ensuite, moi, là, on a le colon. On va prendre l'harmonite et le colon. On crée une armée et puis on va les coloniser. J'ai bien envie d'aller coloniser par là. Parce qu'il y a l'arbre. L'arbre doré. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Alors ça me stimule. Du coup, on va quand même amener l'armée aussi là-bas. Il y a pas mal de... Enfin, je connais pas très bien le territoire. Il me semble qu'il y a pas mal de factions qui traînent. Du coup, est-ce que ça fera pas trop grand, ça? Ouais, c'est trop grand. Trop important pour fusionner. Bon, on va l'amener jusque là. Est-ce que je peux prendre juste le colon? Ah bon? Ah bon. Colon vient ici. Ah ouais, il a plus de point de déplacement. Recherche marché central. Oui, les marcheurs centenaires. Est-ce que j'ai besoin de vraiment d'aller plus que ça dans l'armée ou dans le militaire? Pas l'impression. Méritocratie, ça c'est des emplacements pour oui, une armée plus grande. Là ici j'ai laissé en rade les armures de palier 1 en titane. Bon. Ici, réduit 10% des chances de ne rien récupérer, on s'en fiche. Débloque l'action d'armée, parlementer sur empire, soudoyer empire, j'en ai pas vraiment besoin non plus. Un emplacement sur milice, bon. Déverrouille les armures de palier 2, tiens. Ça c'est pour l'industrie, c'est pas tellement un problème. Ah oui, ça j'ai de l'influence en plus, ça va, c'est bien. De la science, il m'en faut. Déverrouille les armes de palier 2. Registre d'apprentissage, Siri. Moi, c'est juste que je suis un petit peu emmerdouillé parce que
Je vois pas où j'ai pour déverrouiller les extracteurs pour l'or. J'aimerais bien avoir une ressource de luxe. Ce serait bien. D'ailleurs, alors maintenant, est-ce que mon colon, je peux le bouger? Voilà, 4, ça c'est bon. Ah, je pourrais moderniser cette armée. Ils seront d'autant plus efficaces. Je peux moderniser direct comme ça, là, vous avez vu? Boum. Ça m'a coûté quasiment toute ma fortune, mais ils sont tout modernes. Est-ce que je me permets de taper sur lui avec mon colon? Je sens que j'ai fait une connerie. Bon, on va dire que c'est comme ça qu'on apprend. Je me suis dit que le colon, il participerait pas au combat. Oh là, je me sens couillon là. Vraiment couillon. J'ai presque envie de recommencer, mais non, j'assume. Vous savez quoi, je vire le grenier, je me refais direct un colon derrière. Oh là là, comment perdre du temps, quoi. Ah. Oh, le couillon. Là, peut-être si j'avais joué en manuel, hein, Siorak, ça serait pas arrivé. Ah, purée. Bon. Oh, c'est que 5 tours de perdu. 10 de retrouvé. Ah, le con. Bon, je vais laisser l'armée par là. Ouais, là, en plus, il y a du monde. Non, reviens par là, toi. Bouge pas trop. Tu vas venir choper le colon. Qu'est-ce que je suis con! Allez, on avance. Puis moi j'ai combien de... J'ai seulement un harmonite là. Je regarde pour la quête, pour l'avancer un peu. Il faut que j'en fasse plus. De soldats... Enfin de... Pour les factions ici. Extracteur de quoi? Bon, j'ai construit le colon, très bien. Mais juste l'extracteur d'or. Ah, bah je l'ai déjà en fait. La possibilité de le faire. Ah bah voilà, je cherchais des technologies que j'avais pas trouvées, en fait je l'avais déjà trouvé sans me rendre compte. Super. Alors, on va faire encore une harmonite par ici. De toute façon, ça sera dans 20 tours. Et là, on va en faire un autre là. Ça nous en fera 3. Et par 3, j'entends des... Ah non! Pas passé le tour. Le colon. Je suis perturbé. Longue journée de travail. Pas encore mangé. Les idées encore moins claires que d'habitude. Alors, on va virer un chasseur pour faire de la place à notre ami. Et on va le choper directement. Des fois qu'il y a, je sais pas trop qui vient le tuer encore, là, ça serait vraiment un peu trop pénible moralement à supporter. Allez, hop, toi tu vas dégager là-bas. J'espère qu'ils vont pas se faire ravager. Ouh là là, voyez ce que je veux dire? Bon, bah lui il va continuer à côté. On sait jamais, ça fera toujours du renfort. Je suis sûr que ça donne un bon petit bonus par là-bas. Si je passe par là, discretos. On va descendre. Je vais m'en servir comme éclaireur. D'accord. Bon, là, il y a une augmentation de niveau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne des points d'attaque en plus? Emplacement d'accessoires supplémentaires. Visibilité. 15% d'attaque sur une unité étant impliquée dans un siège. Pas vraiment ça. 3 vitesses de récupération. Et ça, c'était 10% de rail récupéré. On s'en fichait. Déplacement. Puis après, c'est quoi? Capable de rester aussi mobile. Ah, attaque, bon, bah, on va passer par là, comme ça on aura après. Ah, il y a encore un point. Nickel. J'avais pas vu. J'ai oublié d'en dépenser un. Voilà, comme ça on a une meilleure vue de ce qui se passe. J'essaie d'éviter le combat. Genre. Ah!
Vous savez quoi? On va se la tenter en manuel. Stratégie globale, je vais être plutôt défensif. Je sais pas si je vais y arriver. Ok. Là, comme il y a un truc que je comprends pas très bien, j'ai juste eux et comment les renforts arrivent. Ça, j'ai encore jamais eu cette configuration. Bon, bah, déploiement, on va rester par là, mais on va même aller un peu en arrière. On va dire ça comme ça, puis on est prêt. Ah, ils arrivent au fur et à mesure. Donc, ils me proposent de me déplacer jusque là-bas. Alors, là, c'est juste là, là, là. Je pourrais aller jusque là-bas. Je comprends pas le ciblage. Là, je pourrais les taper eux. On va pas aller au corps à corps. Si je reste juste en arrière. On va essayer de faire comme ça. J'aimerais bien avoir. Ah, mais si j'ai pas bougé, peut-être que oui, mes collègues vont venir ou pas. Ils viennent comme ça, d'accord. Je peux les faire aller jusque là-bas? Comment est-ce possible? Puis là, est-ce qu'ils les ont apportés? Normalement, oui. On va essayer de leur tirer dessus. Non, en fait, c'est le ciblage, c'est la case que je dois cibler pour tirer au cas où ils bougent. Ah non, je peux me déplacer, d'accord, ok. Bon, c'est pas trop mal, je crois. Là, ils vont prendre méchamment. Ouais. On va essayer d'aller avec eux, les taper. Et eux, ils peuvent pas partir par là, par exemple. Tac, tac, et tac, et tac. Tentons ça. Je suis un peu bouche bée là, je regarde ce qui se passe, je suis inquiet. Est-ce qu'ils peuvent partir peut-être? Ce serait bien. Toi t'attaques, toi t'attaques, et toi t'attaques. Voilà, eux ils tirent aussi, excellent, mais c'est bon là. Et voilà. Bon bah cool. J'ai perdu personne et pas mon colon. C'est ça qui compte, comme ils disent les jeunes. Alors. Ok, puis où est-ce que ce serait intéressant de faire une ville? Ah ouais. Waouh. Il y a du bonus partout là. Ouais. Ouais, c'est probablement ici que c'est le meilleur. 7, 12, 6, 21 en prod. 8. Ouais, là, c'est pas mal du tout, là. On va voir s'ils nous attaquent, d'ailleurs. Juste là, mes villes. Ok, ça construit un grenier dans un tour. Et puis là, un village dans deux. Ah voilà, méritocratie, puis après le ghetto ethnique. Grenier public. Oh, ils viennent m'emmerdouiller encore. Ouais. Être plutôt défensif. Manuel, et puis on y va. Bienvenue, bon, on causera plus tard. Hein. C'était pas mal de se retrancher comme ça, en hauteur. Je crois que ça donne un bonus. Non, on va rester comme ça. Ciblage. Pardon. On va laisser venir. Ah bah ils viennent alors si on les laisse venir. C'est fou ça.
Ça, c'est qui? C'est notre héros. Donc, cette unité tiendra sa position et attaquera uniquement si un ennemi est à sa portée. Si ses ordres ne peuvent pas être exécutés, cette unité défendra. Et puis, si ses ordres ne peuvent pas être exécutés, cette unité attaquera. Voilà, donc ça, on a dit une stratégie défensive. Alors là, on va commencer à tirer. Toi, tu vas tirer aussi. Et toi, tu vas aller taper. Ego. Et puis, ah oui, il faudrait que mon héros. Il fasse quelque chose aussi, il peut tirer et on peut faire ça et puis il tirera normalement si j'ai. Non, il tiendra la position. J'aurais peut-être dû lui dire d'attaquer en fait. Ah oui, il attaque quand même. Pas sûr d'avoir encore bien compris tout ça. Ah là, les archers ils prennent hein, contre les unités au contact. Là, je risque d'en perdre un. Hein. Il avance tellement lentement en plus celui-là. Puis si je leur dis d'aller cibler là-bas, ils devraient se déplacer, enfin j'espère. Ah, ils ont tiré directement sur eux. Oh, ce qui était plus intelligent, mais eux ils vont quand même mourir, je sens que j'ai rien pouvoir faire pour eux. Allez résister, résister. Non, là ils vont pas pouvoir. Ok, donc ça c'est les colons, ils vont rester bien sagement ici. Ça c'est notre héros qui est en fâcheuse posture. Alors tac, toi là. Toi là-bas, toi là-bas. Ça devrait être bon. Ah mince, j'avais pas vu, j'ai cru qu'ils étaient à moitié morts. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fout là, du coup. Bon, ça devrait être bon. Ouais. Bon, ça va. On va dire ça. Voilà, hop, on est 4, ça tombe bien. Et puis, on a dit la ville ici. Bon, pour être franc, je suis pas sûr d'avoir très très bien compris ce que j'ai fait en combat. Je pense que vous l'aurez remarqué. Je suis un peu dubitatif. J'ai l'impression que j'ai été plutôt bénéfique, mais bon. Donc voilà, cette nouvelle ville gagnée de haute lutte, on va dire ça comme ça, dans la province de Graldam, ça fait qu'on est ouais, toujours un peu à la traîne. Hein. Toujours un peu avant-dernier, bien fixé. Notre ville là, c'était construit gentiment. On va faire 2-3 unités en plus. Oh là, va falloir faire attention aux finances, comme d'habitude. Est-ce que je peux lancer quelque chose d'intéressant à ce niveau-là? Non. Il faudra que je développe au niveau des recherches, les routes impériales. Voilà. Ça va faire des routes commerciales qui vont m'amener de l'or. Et puis ici, on aura un bonus en recherche avec l'atelier d'alchimie qu'on pourra construire. L'armure, je vais la virer. C'est peut-être pas la priorité là tout de suite maintenant. Et puis on va laisser la recherche comme ça maintenant. Et puis voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, nuit, etc. C'était DRK36 sur NS Legend et à très bientôt. Ciao!